Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. On va donc parler aujourd'hui d'une astuce cachée sous iOS 15. Si vous faites partie donc des personnes qui ont déjà installé la toute nouvelle version iOS 15, dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite astuce cachée qui va vous permettre d'augmenter votre iCloud. Et si vous avez fait l'acquisition du tout nouvel iPhone 13 qui va bientôt arriver à la maison, dans cette astuce que je vais vous présenter, vous allez voir que vous allez pouvoir changer d'iPhone très simplement grâce à cette nouvelle version iOS 15. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour continuer donc à nous encourager, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et on passe tout de suite à cette astuce iOS 15. Bienvenue sur Vision High Tech. Et en avant pour cette vidéo. On va donc déverrouiller notre iPhone et on va se diriger dans Réglages. Alors pour utiliser cette astuce vraiment qui est ultra géniale, si vous avez donc l'intention de changer d'iPhone, eh bien avec cette astuce, vous allez pouvoir le faire tranquillement, en toute accessibilité, très simplement. Et en plus, normalement, si vous n'aviez pas de place côté iCloud, Apple vous offre gratuitement du stockage iCloud. Et ça, c'est plutôt cool. L'application Réglage est générale, ou sinon encore plus simple, vous demandez à Siri ouvrir Réglage général. Réglage. Et instantanément, votre iPhone vous ouvre les réglages. Alors, une fois que vous allez rentrer dans les réglages généraux de votre iPhone, vous allez vous diriger tout en bas. Et là, cette petite option que personne n'a vue s'appelle transférer ou réinitialiser l'iPhone. Transférer ou réinitialiser l'iPhone. Vous rentrez à l'intérieur. Préparez-vous pour votre nouvel iPhone. Assurez-vous que tout est prêt pour le transfert vers votre nouvel iPhone, même si vous ne disposez pas actuellement d'un espace de stockage iCloud suffisant pour effectuer une sauvegarde. Voilà, donc comme vous venez de l'entendre, iOS 15 vous propose aujourd'hui de changer d'iPhone, de transférer l'intégralité de l'iPhone actuel sur l'intégralité du nouvel iPhone dont vous allez faire l'acquisition. Ce qui veut dire que grâce à cette fonction, vous allez pouvoir changer d'iPhone très simplement et en toute accessibilité. Tout en bas, vous avez donc deux choix. Réinitialiser, bouton. La possibilité donc de réinitialiser cet iPhone, d'ailleurs après que vous avez fait cette manipulation pour le vendre. Réinitialiser tous les réglages. Réinitialiser les réglages réseau. Bouton. Réinitialiser le dictionnaire clavier. Réinitialiser l'écran d'accueil. Bouton. Réinitialiser localisation et confidentiel. Annuler. Bouton. Et juste dessous. Effacer contenu et réglage. Bouton. Vous allez avoir l'option effacer contenu et réglage si vous désirez donc effacer l'intégralité de votre iPhone. Une fois que vous avez terminé le transfert, eh bien avec cette fonctionnalité-là, vous allez donc pouvoir réinitialiser au complet votre iPhone et vous allez pouvoir le vendre sans aucun problème. Préparez-vous pour votre nouvel iPhone. Assurez-vous que tout est prêt pour le transfert vers votre nouvel iPhone, même si vous ne disposez pas actuellement d'un espace de stockage iCloud suffisant pour effectuer une sauvegarde. Imaginons ici, vous aviez donc un iPhone de 256 Go. Il était rempli à 200 Go. Vous aviez fait votre sauvegarde iCloud de 200 Go. Et vous avez racheté un iPhone de 128 Go. Eh bien, avant, on ne pouvait pas faire le transfert s'il n'y avait pas assez d'espace sur iCloud. Aujourd'hui, Apple vous permet de le faire et ça c'est vraiment cool et c'est gratuit. Alors on va continuer. Démarrer. Bouton. On fait démarrer. Cette opération peut durer quelques minutes. Soyez prêt pour votre nouvel iPhone. En tête. Soyez prêt pour votre nouvel iPhone. Si vous allez être l'heureux possesseur d'un iPhone 13, et bien avec cette fonctionnalité, vous allez pouvoir mettre vos deux iPhones côte à côte. Ils vont s'échanger l'intégralité des informations et vous allez retrouver un iPhone tout neuf, tout beau, exactement comme celui que vous aviez avant. Et ça, c'est plutôt cool et c'est très important pour certaines personnes en situation de handicap. C'est tout pour le moment. Votre iPhone utilise iCloud pour sécuriser toutes vos données. Téléchargement des apps et des données sur iCloud. Vos apps et vos données seront à jour et prêtes à être transférées lorsque vous recevrez votre nouvel iPhone. Utilisez cet iPhone pour vous connecter rapidement. Une fois votre nouvel iPhone reçu, allumez et placez la proximité de votre iPhone actuel pour vous connecter rapidement et commencer la configuration. Échanger ou recycler cet iPhone.
découvrez la valeur de reprise de votre iPhone et recevez ce montant sur une carte cadeau Apple. En savoir plus. Ok, bouton. Voilà, vous savez comment aujourd'hui transférer l'intégralité de vos coordonnées de votre ancien iPhone sur le tout nouveau iPhone que vous allez recevoir, l'iPhone 13. Et tout ceci en toute accessibilité. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. Surtout, n'hésitez pas donc à vous abonner, à partager. Et comme d'habitude, un petit like, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible, bien sûr. Salut à tous.